ici. Ah, on va l'affronter. Pierre. Ah, oh, l'animation. Paring. Enfin, à la limite, ça se passe bien comme ça. C'est deux fois, puis après là, on esquive la grosse, on rebloque, on esquive la grosse. À la limite, c'est pas mal comme ça. En théorie, ça le rend plus facile, mais plus dangereux. Ça a de la chance de me mettre. Un régène. Voilà. Non, ça non par contre. Rage. Frère, la malédiction. Voilà, regain de santé en fait quand je fais une riposte. Je crois qu'elle est morte là. On va mourir de la brume. Liberté. Oui, tu es libre à présent. Mes sœurs ont-elles subi le même sort? Oui. Oui. Mais nous les sauverons. Vous êtes braves, vous deux. Bonne chance. Le Valhalla m'attend. Vous deux? Elle ne m'a même pas remarqué. Vite. Yes, on attend. Pourquoi elles se défendent comme ça? Ce sont de grands adversaires. C'est bon pour toi. Tu sais, la plupart des parents veulent simplement que leurs enfants dorment.
On n'a pas le temps de regarder. Déchu plus. On regardera dans l'inventaire, on peut pas regarder là. Le temps baisse. Ok. Alors, Valkyrie plus. Faible chance de devenir l'aura imparable. Ouais, non, ça non, bof. Par contre, les stats, ouais, les stats de la cuirasse Valkyrie plus sont énormes. GG, merci. Je l'ai équipé sans faire exprès, je me disais. Les attaques normales, ouais. On a deux parties. Alors elle, déchu plus, change de modèle, obtenir un atout pouvoir de Valkyrie à chaque élimination et ça augmente les runes et la force. Non, c'est pas intéressant, mais les stats sont bien. Et après on a sa très faible chance d'obtenir un atout protection des Valkyries à chaque coup réussi avec une arme qui a 50% de chance toutes les stats, dont le déséquilibre et une attaque. Ah ça c'est bien, on va pouvoir le changer ça. C'est cœur des Valkyries, là on a cœur des Valkyries plus. Waouh. Bah, franchement, c'est pas énorme la différence. Hein. C'est vraiment pas énorme la différence. Mais bon.